à tout bandit, tout le qui est armé, comprendre sa capacité, comprendre que le peuple a besoin pour le prendre au souffle, pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités dans le pays, nous avons fait tout pour que la sécurité rétablisse dans le pays. Tout, vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec grand force par nous pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont en mauvaise route. Rentrer dans la bonne route, déposer les armes. Mission qu'il a. Mission pas capable de déployer vraiment parce que la promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars là, il n'est pas arrivé à joindre. Les Américains, si ont contribué le plus, à raison de près de 200 à 300 millions de dollars, et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé de changer le statut. Là. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais nous avons un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflettes dans ce sens ça, parce que ce n'est pas toujours avec, nous avons dit, toutes nous-mêmes que nous accepter et appuyer ça. Nous. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, quand nous connaissons les situations, c'est nous qui nous la donnons parce que nous mal nous comportons envers le pays. Et quand nous avons une responsabilité, nous ne prenons pas pleinement les gens de prendre avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, nous ne parlons pas tout de nous pas toujours comme ça. Nous sommes grands pour l'heure. Et nous sommes dès l'heure, nous sommes grands. Parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, on dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il arrive pour que nous poser en termes clairs, franc avec nos partenaires, avec nos amis, pour que dette ça, dans un cadre institutionnel, formel, nous capables de commencer à restituer et qui permettre nous de consolider le travail que nous avons fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel, en disant que je crois que, après parole, ça a eu un acte et que je prêt pour qu'ensemble avec l'autorité, pour que pour nous travailler ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité.